Voorzitter, peut-être un petit mot sur le programme MTN. Comme vous venez de le dire, le programme MTN s'est avéré très efficace, avec plus d'1 milliard d'euros levés depuis 2009 pour nous. De nombreux investisseurs, tant belges qu'internationaux, ont répondu à ce programme. Je voudrais remercier aussi toute l'équipe qui est derrière nous, et en particulier remercier Belfius pour la mise en place du programme MTN Revisité. Grâce à la possibilité de noter, de lister, donc de mettre à la cotation en bourse les émissions de la région de Bruxelles-Capitale sur Euronext Bruxelles, et nous en sommes très fiers, Monsieur le Président. Nous aussi. Nous pouvons désormais attirer plus d'investisseurs qui sont pour certains soumis à l'obligation d'acheter des obligations listées. Je voudrais aussi remercier ING. Dat is hier een publiek-private samenwerking geweest, hè, tussen een overheidsbank en een private bank. Hè. Je voudrais remercier ING pour cette première très très belle opération. ING a été la première à proposer une opération de financement cette année pour 15 millions à 15 ans, au prix très attractif de Holo plus 17 points de base. Plus jamais vu pour nous. Maar voor dank, mevrouw. L'investisseur a demandé que cette opération soit listée, et de là l'introduction en bourse. Elle inaugure ainsi la première mise à la cotation sur Euronext Bruxelles. Un tout petit dernier mot sur le rating de la région Bruxelles-Capitale, parce que ça c'est important. Toute notre équipe financière budgétaire de la région a travaillé très dur les dernières années. Et le 7 mars 2014, la perspective outlook de notre rating vient de passer de négative à stable. Et dans ces évaluations de Standard & Poor's, Standard & Poor's met en évidence deux critères importants. Le Very Positive Financial Management et le Very Positive Access to Liquidity. Donc, cela veut dire que, en tant que petite région de ce pays, nous sommes très performants. Je vais vous dire même plus, si ce ne serait pas que nous sommes obligés de tenir le même rating que l'État fédéral, le nôtre pourrait être plus positif, encore meilleur, oui. C'est vrai. Donc c'est grâce à tous ces gens. Il faut aussi rappeler que la région est une des seules entités publiques en Europe qui a maintenu son rating durant toute la crise. Et depuis 1996, nous sommes déjà en AA et maintenant en AA stable. Et donc, je crois que c'est un très beau résultat que nous avons obtenu. Et cette entrée en matière ici, ça ne peut qu'être bon pour Euronext. Ça n'est qu'un début. Et ça ne peut qu'être bon pour nos programmes d'investissement dont on aura fortement besoin dans les années à venir. Parce que, comme vous le savez, nous avons pris des engagements importants en matière d'investissement en mobilité, entre autres dans notre région. Et donc, savoir que nous sommes maintenant partenaires ici aussi d'Euronext pour pouvoir attirer des liquidités à des prix tout à fait abordables, madame, monsieur, ça nous fait excessivement plaisir. Thank you very much.